Sandwich! Où es-tu? Je suis sincèrement désolée que ton sandwich ait disparu, mais de toute évidence, il est pas ici, sur cette planète inconnue. Ah! Soyez les bienvenus, voyageurs, je me présente. Je suis le sandwich parfait. Après que le Robin du futur m'a volé, je me suis enfui de son appartement miteux. Et je suis venue ici pour m'interroger sur le sens de la vie. Ah! Vous voyez, je vous l'avais dit! Et grâce à la méditation, j'ai découvert ce qui est le plus grand secret de l'existence. Oh, dis-le-nous, s'il te plaît! J'ai réalisé que le sandwich est l'espèce vivante suprême et que toutes les autres espèces vivantes doivent être exterminées. Adieu! Jeune titan d'avant! Personne ne peut détruire le sandwich parfait! La seule chose qui puisse le faire, c'est la bouche de son créateur! Alors, qu'est-ce que t'attends? Que vous me le disiez! Qu'on te dise quoi? Que j'avais raison! Il ne faut jamais baisser les bras! C'est vrai, dans certaines situations... Non, jamais! Tu avais raison, Robin! Et nous, on avait tous tort de te dire de lâcher l'affaire! Je te remercie! Il était parfait. Momie-argent. Momie-argent. Cette pyramide n'est pas assez grande pour nous deux. Momie argent. L'ours d'or, t'es cinglé, mon pote. C'est fini de semer la terreur sur Terre, c'est terminé. Je vois que vous avez réussi à découvrir ma cachette secrète. Étant donné qu'elle est dans notre jardin, on peut pas dire qu'elle était vraiment secrète. Navré, mais vous arrivez trop tard pour m'arrêter. Je vais être obligée de tous vous éliminer maintenant. Pou, 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 pou. Jeune titan, en avant. Je te signale que ce ne sont que des boîtes en carton. Mais ce sont de vrais rayons laser. Je croyais que c'était de simples lumières. Des robots? Quand tu as eu le temps de construire une armée de robots? Détruisons-les! Starfire a vraiment super bien équipé cet endroit, hein. Doudou. Wow! Elle a aussi des robots piranhas. C'est entre toi et moi que ça va se jouer, maintenant. Il me semble que tu as oublié mon homme de main. Thank you.
citoyens de Jump City. Aujourd'hui est le jour où tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants vont mettre un nom à la peur, à la terreur, à la tyrannie. Et ce nom, c'est... Pas si vite, Brother Blood. Les jeunes titans. Navré, mais je n'ai pas de nourriture aujourd'hui. On n'est pas venu combattre de la nourriture. On est venu ici pour te ramener à la justice. Je suppose que c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne pensais pas que vous vous intéressiez à la justice. Ça nous intéresse pas la plupart du temps. Mais là, on mourrait d'envie d'un vrai combat avec un vrai méchant qui aurait un vrai plan pour prendre le contrôle de notre bonne vieille planète. On peut dire que c'est ton jour de chance. À nous de jouer. On va prouver au monde entier qu'on est de vrais super-héros grâce à un combat épique. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. Ouvrez le feu. Un pain bretzel, bien gros et bien frais. Et faites vite, j'ai assez perdu de temps dans cette supérette. On appelle le 23. Oh non. Tu vas avoir besoin d'un grand verre d'eau. J'envoie la sauce piquante. Ah, bouillard. Maintenant, tu vas être gentil et tu vas passer le bacon. Je sens que t'es très énervé, pas vrai? Hé! Hey hey, oh! Calme-toi! Oh, bon, d'accord. Nous allons revoir ça, point par point. Certains préfèrent l'épée ou, je sais pas, les lasers. Mais moi, je me sers de ce bâton, vous voyez? Et pa, 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 pa. Et sur le crâne, sur le genou, sur la clavicule, n'importe quoi. On casse tout avec ça. Hey, mon bras! Cinderblock est quelque part par là. C'est réglé. Vous avez trouvé Cinderblock? Non, on a trouvé de quoi manger. Oh, oh, il faut que tu goûtes ça, mon pote. Ah, ouais. Wow. Tiens, goûte ces trucs-là, toi. Assez mangé. Jeune titan là-bas. Une minute. Une seconde, mon pote. On arrive. Attends, encore une bouchée. Je t'aime, toi. Les gars, un petit coup de main. C'est obligatoire. T'as goûté ça ou pas encore? Allez, venez vite nous dégager de ces gravats. Oh non, c'est trop de boulot. Et toutes ces activités m'ont super crevé. Ouais, moi aussi. Je laisse tomber. Yo, je sens que je vais faire une bonne petite sieste, là. Oh, ça, c'est vraiment trop cool. Quoi? Vous allez rester assis, là? Cinderblock va s'échapper! Dites quelque chose! Je crois qu'une nouvelle amitié vient de naître, yo! Change-la, mon pote! Tu m'as tellement manqué, mon pote!
terminé? La source d'énergie. Jeune Titan, envoyez-moi au sommet. M'en occupe, mon pote. On appelle le 78. De cette grosse brute. Et comment que je veux? Pizza! Trop fort! On peut pas forcer les gens à être amis. C'est vrai, une amitié ne peut arriver que toute seule comme le gaz naturel. Ouais, et c'est qu'on en a tous les deux du gaz naturel, yo! Oh, wow, discret mais mortel. Bien, notre équipe est de retour au meilleur de sa forme. Et je suis honorée d'avoir assisté à la naissance des nouvelles amitiés. Oh oui, c'est ton anniversaire, mon pote. Tu sais ce que ça veut dire? Quand on dit Annie, tu dis versaire. Annie, versaire.